Oui, Idéaloma, en fait, ça consiste en un voyage. Ce cube, ça représente un peu une porte vers un nouveau monde, une sorte d'Éden. Mais un Éden plein de surprises, puisqu'en effet, on constate en observant ce cube, en entrant à l'intérieur, que ce paradis, aux apparences assez pittoresques, assez jolies, en fait, ça se transforme en enfer. Et ça finit par plonger le spectateur et le visiteur, plutôt, dans une ambiance assez dérangeante, parfois même peut-être un peu effrayante. Donc c'était un peu pour montrer ce décalage entre enfer et paradis que justement on a voulu faire ce dispositif. Pour la construction du cube, nous avons dû répondre à plusieurs problèmes. Tout d'abord, comment refléter le film sur toutes les faces. Nous avons donc pensé à mettre du miroir sur à peu près au milieu et sur toutes les autres faces pour avoir le film partout. Nous avons également mis des pointillés sur les contours et des bâches pour qu'on puisse faire des trous pour qu'on puisse voir à travers le film. Attention, vous êtes...